Et coucou les copinous, me revoici pour les énergies générales de ce week-end du 19 et 20 août. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales et je vous ai préparé trois petits tas de fin. Et comme d'habitude, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de votre soutien. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un message à vous, rien qu'à vous, vous avez toutes les coordonnées dans la barre d'infos. Voilà, voilà, les copinous, les copinettes. Et on est parti pour les énergies générales de ce week-end. Donc ici, en termes d'évolution, vers quoi on s'avance pour ce week-end? Nous avons « Réveillez-vous ». C'est votre moment. Donc là, on est en pleine conscientisation de mauvais choix du passé. Alors, il n'y a pas vraiment de mauvais choix en soi, dans le sens où tout échec, ou tout ce qu'on peut considérer comme un échec est un apprentissage. Mais là, clairement, on se défait d'une manipulation, d'un conditionnement de vie, le fait de faire pour le regard des autres, par rapport au regard des autres. Il y a une notion de couper, justement, un cordon. Hein, voilà, on a une renaissance ici, mort et résurrection. Donc là, c'est le fait de prendre conscience qu'il faut agir pour son propre bien-être et par soi-même. Et on s'avance donc tout naturellement vers la carte qui vous dit « Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique ». Ça, c'est le fait de s'aimer soi dans son entièreté. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer soi dans son entièreté? Ça veut dire qu'on a fait la part d'ombre avec nos défauts. Je vais y arriver. On a fait la paix avec nos défauts, notre part d'ombre. On l'a accepté, on l'a regardé en face et on a du coup pu voir où sont nos blessures et tout ça, ce qui nous a permis de transmuter ce qui était négatif en positif, d'accord? Et de savoir du coup comment poser nos propres limites saines pour nous-mêmes. Donc ici, le conseil de posture des guides, on vous dit d'être attentif aux signes de l'univers, que ce soit à travers vos messages, à travers les canalisations, que ce soit à travers des papillons, des plumes, des rêves, je l'ai déjà dit. Voilà, hein, il y a vraiment un vent de renouveau là qui arrive à vous et vous serez guidé ici pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et on vous dit que de toute façon, le changement est inévitable, d'accord? Tout est changement, tout est transmutation, tout est mutation dans la nature. Et il faut aussi accepter que pour ce changement-là, pour ce renouveau, on me montre ici le serpent qui mue. Hein. Donc vraiment, on laisse sa vieille peau, hein, son vieux conditionnement derrière soi. Et il y a un temps nécessaire à ça, d'accord? Il y a un temps d'adaptation, un temps de transition. Et c'est pour ça qu'il vous faut être bienveillant vis-à-vis de vous-même, d'accord? Prenez conscience que le temps est votre allié et certainement pas votre ennemi. Dans l'action de vie et le professionnel pour ce week-end, et oui, il y en a qui bossent le week-end, on vous dit que on a la carte du mérite qui nous dit sous la coque le fruit. Donc là, on avance dans un état où on va pas tarder à récolter les fruits de son travail, d'accord? Parce qu'on a été persévérant ici, parce qu'on a été droit dans ses valeurs. Pour certains qui se sont déjà lancés dans ce qui les motivait, dans ce qui leur plaisait. Pour d'autres ici, on est sur le fait de conscientiser que l'on mérite mieux et on va aller se le chercher. On vous dit que votre force est dans vos racines, d'accord? Dans tout ce qui vous épanouit. Ici, c'est le fait de revenir à votre source, à ce qui vous anime profondément et de pouvoir le transmettre ici, dans votre professionnel. On voit ici que vous allez être dans l'expression de toute votre connaissance, de tout votre art,
et que vous serez à même de le transmettre. Donc ça va être extrêmement positif. Bon, pour ceux qui sont déjà lancés, on voit ici une belle récolte qui arrive au niveau du professionnel. Pour ceux qui sont en train de se lancer, on voit qu'un apprentissage est peut-être nécessaire, mais qu'il sera extrêmement fructueux pour plus tard. D'accord ? Si je pense notamment à tous ceux qui sont en transition professionnelle. Là, dans ton action de vie, ce que ça va te dire, si tu ne travailles pas, par exemple, que tu es à la retraite ou quoi, c'est justement de prendre soin de toi, de savoir ce que tu veux transmettre aux autres générations et de pouvoir être ici dans le bien-être et dans le développement de bonnes relations. D'accord ? Donc, le relationnel et le sentimental, nous allons être soit inspirants, soit inspirés. D'accord ? On a l'énergie d'amour ici. Alors soit c'est ton amoureux qui t'inspire, soit c'est ton amoureuse qui t'inspire, soit c'est les deux, hein, vous vous inspirez mutuellement. Pour les célibataires ici, on pourrait être justement sur le fait d'être sur une attraction extrêmement positive, sur une nouvelle rencontre, qui sera du coup dans l'équilibre. D'accord, dans le donner et dans le recevoir. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres aussi amicales qui permettent de se sentir apaisé, serein et sereine. Voilà, voilou. Comment on va vivre ces énergies-là concrètement dans la matière? Nous avons ici le fardeau. Donc il va y avoir des associations de travail qui vont se terminer, va se délester de certaines personnes, pour pouvoir accueillir de meilleures collaborations, d'accord ? Ça, c'est dans le professionnel, mais ça peut être dans les relations en général, d'accord ? Le fardeau, on vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Qu'est-ce que tu te prends sur ton dos qui n'était plus utile ? Quel conditionnement de vie, quelle relation tu te cognes sur le dos et qui te fatigue et dont tu n'as plus besoin au jour d'aujourd'hui ? Donc là, on voit qu'on va faire preuve de force et de courage pour pouvoir être justement dans l'épanouissement de soi. Et on vous dit que ça, c'est un choix. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous-même. Ça, c'est le fait de le comprendre, hein, que personne te rendra la vie facile et heureuse, si ce n'est toi, en plaçant des actions dans ta vie. Donc voilà, voilà, c'est parti, on va aller voir... Oula, on a un cadeau, une communication surprise ce week-end. Tu auras mis du temps à arriver. Donc, c'est une communication qui va vous faire plaisir. Donc, là, on est sur l'oracle G. Nous avons la sagesse représentée ici par cette carte. Alors, la sagesse dans une relation, ça peut être la relation avec une mère. Ça peut être aussi la guidance à travers... une maman, une grand-mère, une défunte ici qui vous protège. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a un message annexe? Nous avons la protection sur une situation qui est gelée. D'accord? C'est nécessaire qu'elle soit gelée. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça. Alors, bon, ici, il y a des conflits, il y a des disputes pour ce week-end avec un ou des enfants, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être une dispute que tu as avec toi-même, d'accord ? Un conflit intérieur ici. On te dit que ça amène une grande transformation et de la chance. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous disent vos enfants. Ils peuvent exprimer une certaine vérité ici. Et qu'est-ce qu'on a? On pense, on réfléchit beaucoup ici à comment être plus abondant dans sa vie. Pas que financièrement, mais vraiment...
à être bien dans l'abondance sous toutes ses formes, d'accord? Pour d'autres, on cherche vraiment un moyen d'arranger un problème financier. Allez, on y va à la coupe. Une rencontre surprise, la chance, un cadeau de l'univers. On vous dit que vous pouvez avoir confiance ici. Après, c'est certifié. On vous récompense par une belle élévation après un temps de rien, de grande désertification. Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ici, on voit que vous allez avoir gain de cause sur tout ce qui est administratif. Ça vous amènera une très belle transformation, notamment sur le plan professionnel. Ici, on peut avoir des mutations, des choses comme ça. Attention, il y a quelqu'un qui veut votre place pour ceux qui sont responsables. On a un effet de personnes ici qui fouteur de merde. Hein. Voilà, pas pour tout le monde, mais évidemment, ça parlera à certains. Allez, c'est parti, on y va. Pour le général, avec l'oracle G. Qu'est-ce qui s'arrive ce week-end? Tu vois tout? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'arrive ce week-end? Un renouveau ici, un renouveau qu'il faudra avancer. Donc, évidemment, comme tout renouveau, hein, on avance étape par étape, que ce soit sur un projet professionnel, que ce soit sur un renouveau professionnel, que ce soit dans une nouvelle relation, on avance une étape après l'autre. On est sur des signatures ici, sur des contrats, vente, achat, location. On peut être sur des actes notariés, on peut être aussi sur tout ce qui est juridique, collaboration. Il y a le centre, c'est la transformation positive, donc c'est que bon, hein, d'accord? Il y a quelque chose ici où tu as hésité longuement à te lancer. Et en fait, on te met les bonnes personnes sur la route, quoi, c'est impeccable. Au niveau du professionnel, c'est génial. Au niveau du relationnel, c'est très bien aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même le dénouement d'une situation administrative, quelle qu'elle soit. Hein. C'est un cadeau. On vous dit que vous êtes un cadeau aussi pour quelqu'un. Alors, pour certains, on confirme une mutation. Hein. Ou pour d'autres, c'est tout simplement le fait de changer de vie. On peut décider de partir vivre à l'étranger ou dans une autre région. Alors, pour certains, c'est clairement dans une autre région ou dans un autre pays. Pour d'autres, tu vas juste changer de ville, d'accord? Tu changes ton quotidien, en fait. Ton quotidien va vraiment changer. Parce qu'il y a de nouvelles... un renouveau sur ton pro, sur ta façon de mettre en place des choses dans ta vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors ici, je vais voir. Très bien. Alors ici, on peut, si tu étais dans une procédure de divorce à l'amiable ou quoi qu'est-ce, on y a pu avoir manipulation de la partie adverse sur les enfants. L'enfant va être entendu. Et ici, on peut avoir l'ex qui tombe des nues. D'accord? On voit que ça va être chaud pour la confiance. Ok. Bon, ça, c'est un cas en particulier. Sinon, on est vraiment sur le renouveau. Là, tout ce que tu vas entreprendre, ça va animer ton enfant intérieur. Et on voit que tu fais le choix, en fait, de sortir de ta vie. Mais clairement, toute personne et relation ici qui ne veulent pas ton bonheur, hein, qui t'usent, qui te vampirisent ton énergie ici. Ouais, tu vas être. Alors, le petit cadeau là, ça va être fêté, pompe-le-up. Hein. Ouais, tu avais mis beaucoup d'espoir et là, c'est une grande joie, d'accord? Là, on peut par exemple aussi fêter une crémaillère. Hein. Il y a un renouveau, vraiment, il y a des déménagements qui sont confirmés. Pour d'autres, ce sont simplement des vacances.
Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est fêté. On peut fêter l'anniversaire d'un enfant aussi. On peut apprendre dans la famille ou un entourage très proche la naissance d'une petite fille. Bon, ça c'est du général, donc. Mais là, on peut être sur, tu sais, les fêtes d'accouchement, comment on dit là? Les bébés partis, je sais pas quoi là. Bon, j'ai un message un peu moyen. J'ai un homme qui a déclaré, qui a reconnu un enfant qui n'est pas le sien. Il l'apprendra après la naissance. Il s'est fait avoir. Ben voilà. Mais on lui dit que ça va lui amener un grand épanouissement malgré tout. Je pense que c'est la leçon de vie qui va lui amener ça. En tout cas, pour toi, bizarrement, c'est positif. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Il y a une énorme transformation et clairement, tous les faux amis, là, raou. On peut avoir ici aussi des femmes qui ont prétexté des fausses grossesses pour des accouchements, c'est moche, hein, mais enfin, pour des héritages, des trucs comme ça, enfin, pour du blé. Il y en a, pour la plupart, c'est des mythos. Pour certains cas, ces grossesses n'iront pas à terme, si elles sont avérées. Voilà, on a un retour à l'abondance, à la joie ici, principalement parce qu'on fait le tri hein, des personnes qui ne sont pas soutenantes, qui sont des vrais fardeaux. Voilà, on met des limites saines, on change de boulot, on s'épanouit. Du moment où tu vas vers ce qui t'épanouit, c'est bon. On a espoir d'une rentrée d'argent ici, on te dit qu'elle arrive, notamment si on est sur des procédure X ou Y. Donc c'est plutôt pas mal au général, là, quand même. On a quand même pas mal de messages. De toute façon, on te dit que tu es guidé et protégé. On va aller voir. Je suis étalée. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben, les masques tombent. Hein. Les masques tombent ici. Donc ton bonheur, je te le dis, ne fera pas plaisir à tout le monde, mais ces énergies tierces, qui qu'elles soient, se retrouveront isolées. Pour certains, là, on parle de grosses boîtes. J'en ai qui peuvent finir en taule détournement de fonds, j'entends. Ça va parler à tout le monde, ça, mais bon. Donc, ils seront grave colère, évidemment. On a le feu, là. Voilà. Stop. On met un stop à toutes ces personnes-là qui ne sont que des rageux. Hein. Voilà. Et on va ici vers notre élévation. On est guidé vers ce qui nous anime, vers ce qui nous plaît. On a une ouverture au monde, une ouverture à soi. Alors, on se pose des questions sur comment rejoindre quelqu'un ici, pour certains. Ou est-ce que je pose des congés? Ou on peut être arrêté suite à un accident ici, un accident domestique ou comment ça s'appelle? Un accident du travail. Et on veut aller retrouver quelqu'un. On se demande comment faire. On te dit que tu seras guidé. Et puis ça arrive vite, hein. Là, il y en a qui se posent beaucoup de questions pour rejoindre une personne. C'est parce qu'on a un débordement d'émotions ici. Mais je ressens ça plutôt positivement. Bon, pas mal. On va aller voir, du coup, plus précisément, dans l'action de vie et le professionnel avec l'oracle des miroirs. Et c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors,
des messages annexes. Non, elle a coupé. Nous avons l'abondance et l'échec. Donc ici, attends, je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais. Alors ici, j'en ai qui se sont crus dans une super abondance en voulant te marcher dessus, en voulant te prendre ce qui t'était dû. Ils vont se retrouver dans l'échec et c'est inévitable, d'accord? Par contre, toi, tu attires à toi la réalisation de tes rêves et tu as un retour extrêmement positif. Tu sors de d'une forme de culpabilisation. Il y a quelque chose qui se résout là, sur l'action de vie et le pro. Certains, c'est parce que vous avez changé votre mental. Vous avez transmuté vos pensées. Vous pensez positivement maintenant. Donc, tu attires à toi ce que tu émanes, ce que tu vibres. Donc, tu te ramènes ton abondance ici. Alors j'entends là en canalisation, c'est Manu, il m'entend, il me chante voilà l'été, voilà l'été. Je ne sais pas pourquoi. J'entends ça. Okay. Donc on se positionne ici, on fait un choix parce qu'on est clairvoyant, on y voit clair au jour d'aujourd'hui. Oui. On parle de toi, le consultant, la consultante. Ici, c'est toi qui vois clair, c'est toi qui te positionne face à un extérieur. Tu es extrêmement calme et serein. Tu amènes à toi la réalisation de tes rêves. Tu as une protection au niveau des anciens qui est confirmée ici. On te dit que tu es très intuitif, intuitive, que tu as su voir clair parce que tu as... Alors bon, là, pour certains, j'ai beaucoup de clairaudients, clairvoyants, hein, d'accord On a des très forts potentiels au niveau de sa médiumnité qui se développe. Du coup, on est super zen, on est très confiant vis-à-vis de nos choix. Par rapport à quoi? À un retour, à quelque chose qui est censé nous revenir. On te confirme ici qu'il y a une justice divine. L'univers te fait un cadeau, elle est magnifique cette guidance. C'est un cadeau et on te dit que tu es un cadeau pour le monde. Ici, on va avoir des compromis pour aller vers ce que l'on désire. C'est magnifique. Que ce soit sur ton action de vie, sur ton professionnel ici, t'es pas prêt ou t'es pas prête hein, à recevoir. Je pense que ça va être beaucoup plus que ce que tu t'imagines. Ouais, on parle d'un travail sur soi, d'un travail... et ou en équipe, d'avoir su être vigilant ici, d'avoir été discret. Pour certains, il y a des procédures ici qui ont traîné depuis longtemps. On vous dit que il est temps pour vous là. Justice divine. Alors, ça sera peut-être pas ce week-end sur le pro, mais ça arrive certainement début de semaine prochaine. Il y a des déplacements. J'ai un voyage discret, secret, en amoureux ici. Qui ramène l'ordre, le calme, la paix en toi. On est sur des compromis ici que vous gardez pour vous. Des compromis sur la réalisation de projets professionnels. Vous n'en parlez pas. Et c'est juste super. Là j'en ai qui sont en train de faire le choix de refaire leur vie professionnelle et de mettre des actions dans leur vie que tout soit juste et cohérent vis-à-vis d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Et on est beaucoup sur l'énergie féminine, on est très connecté à son intuition ici. Bon, même si on est sur le pro, je te cache pas que là j'ai un message plutôt romantico-coco. Hein. Là j'ai l'appel des âmes, donc j'ai vraiment deux personnes qui
qui s'aimantent, hein, voilà, mais qui font le choix de commencer une très belle relation dans le secret. Peut-être parce que là, peut-être l'un comme l'autre, on a des situations. Alors ça peut être par exemple suite à, parce que vous, il y en a un qui divorce, ou il y a une notion de paperasserie, de juridique et d'entourage dont il faut un petit peu se méfier. Donc la relation se construit à l'abri des regards, et ce qui permet aussi de mieux se, d'avoir des bases saines et solides, d'accord ? Pour ce genre de relation là, on peut parler de lien d'âme. Je vous parle, évidemment c'est du général, mais ne vous emballez pas, c'est pas pour tout le monde, d'accord ? Là on est sur des réunions de liens sacrés, et attention, ça n'est pas pour tout le monde, encore une fois. Là par exemple pour les célibataires, vous pourriez rencontrer votre moitié à la suite de... Par exemple, tu travailles dans une boîte, t'es muté, tu vas ailleurs, t'es trop contente, t'es trop content, parce que t'es muté, parce que tu fais plus partie de la boîte, ou parce que tu as un changement professionnel, un de tes collègues ou une de tes collègues ici vient te déclarer sa flamme. D'accord ? Le compromis, c'était de genre ou d'officialiser une relation dans le style, parce que tu ne fais plus partie du cadre, vous ne travaillez plus ensemble. Il y a une notion de un truc comme ça. Voilà. Évidemment, ça, ce sont, je vous parle de relations saines. On est d'accord. Il y a une projection ici qui pourra se faire dans le temps. C'est juste merveilleux. Voilà, on se regarde en face aussi. Bah écoute, c'est plutôt sympa. Là, j'en ai qui vont se mettre à leur compte. On est dans le soin, dans le, l'accompagnement à la personne, sous diverses formes. Alors, ton bonheur ne va pas faire le bonheur des autres. Confirmation. Donc, grave. Donc, vraiment, mets de la distance avec voilà, tout ce que tu crées de nouveau dans ta vie. Là, n'en parle pas trop. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a de la médisance, de la jalousie. Mais ma parole, c'est, t'en auras toujours. Donc ne vous attardez pas à ce que pensent les gens. Ça les regarde. C'est leur problème avec eux-mêmes. Allez, c'est parti sur le relationnel et le sentimental avec le petit loup normand. On a des messages ce week-end. On a des nouvelles. C'est guidé, ça serait plus par via le net. Il y a quelqu'un de très stressé là, hein, qui veut communiquer, qui est très 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 stressé. Hein. Ok, bon. Ok, bon. On a autre chose? Non? À la coupe. Hein. À la coupe, on tombe les masques ici, on arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres. Ici, tu pourrais voir des masques tomber autour de toi. Ah, j'ai pas fait les dés là. Ah, tant pis, c'est que c'était comme ça. Oui, clairement, ça arrive plutôt vite. Hein. Bah, les énergies lunaires vont vous aider à faire du tri sélectif dans l'entourage, clairement. J'ai quelqu'un de jaloux qui t'observe, qui est c'est un ami. Alors, je ne sais pas ce que tu fais comme boulot ou quoi, mais en tout cas, il trouve que tu... il a peur. C'est quelqu'un qui t'aime et qui nourrit des pensées très charnelles à ton égard, mais c'est pas que du cul, d'accord ? C'est vraiment que
le truc, c'est que il se dit que potentiellement, tu attires trop de monde, tu brides de trop, et bon, ça, c'est son problème à lui, à travailler sur ça. Mais ça se passe dans sa tête, et c'est quelqu'un qui veut te dire des choses, et pour l'instant, il ne sait pas comment s'y prendre. Il est très... je dis il parce que je ressens l'énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui est hyper frustré, qui a peur de te perdre, et qui est très confus dans sa tête. Ma parole. Faites attention à un entourage, là. Hein. Le jardin, les masques. Bon, après, ça peut être le fait de garder des... C'est ton masque social, quoi. C'est-à-dire... je sais pas, moi. Parce que... Bien se tenir en société, peut-être si, peut-être pas, hein, tu vois. Genre, tu vas pas au ciné en pyjama, tu mets minimum syndical, tu vois. C'est un peu ça. Donc, cacher quelque chose à l'extérieur, voilà. Je sais pas. On va voir comment ça se sort, là. Alors, ici, j'ai un homme qui peut être extrêmement têtu et borné. Moi, mais j'ai quelqu'un qui lève les amarres, là. J'ai quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, hein, qui a fait la lumière, ici, sur un cercle amical. Ouah. Alors, ce week-end, il y a des amitiés, là, clairement, c'est fini, hein. On a vu le manège, hein. Donc, l'homme, ça peut être toi aussi, si tu es une femme, c'est l'énergie d'action, mais bon, là, c'est quand même plus la carte du consultant, hein. Oui, c'est fait pour assainir ici son arbre de vie. Donc là, on a un homme secret. Hein, qui, ah, d'accord, ok. On coupe avec une énergie féminine qui était une fausse amie ici. Ça peut être une ex, ça peut être le fait de mettre des limites saines à un parent. Une grand-mère, oui, extrêmement, qui avait une emprise, un pouvoir. Là, on est chez des gens qui s'estiment être d'un certain statut social. Et toi, on te voit fidèle à tes valeurs, impeccable, bien dans... Tout ça, ça se passe à l'extérieur de toi, tu ne le sais pas encore. Voilà. Ça, c'est pas révélé encore, ça. Donc, ça, c'est pour ou les célibataires ou ceux qui sont en situation ambiguë, un peu. Moi, j'ai plutôt mon consultant, ma consultante ici, qui est vraiment zen, tranquille, très fidèle, honnête, sincère. Ici, je peux avoir un travail indépendant qui va prendre une belle ampleur. Pareil, hein, concernant tout ce qui est soins, dans le bien-être, en général, dans tout ce que ça peut comporter. J'ai un partenariat qui s'arrête, peut-être pour enclencher un nouveau. J'ai un homme très stressé ici pour révéler quelque chose. C'est un homme qui a coupé, qui a taillé dans le vif, là, au niveau d'un cercle social, hein, qui a drainé, qui a épuré. Hein. Pour les couples, tout ça va bien. Là, on peut faire le même genre de tri. Ah, je pourrais... Fais voir. Eh ben, putain, on est au-delà du stress, là. Ah, d'accord. Je peux avoir ici un... Alors, si tu es en couple, que tout va bien, j'ai un... ton compagnon... ah, ok. Là, un projet de couple à deux, vous pourriez... limiter, faire des économies en fait pour un projet commun. Pour d'autres, là, on peut avoir peut-être des petits conflits dans le couple parce que ma féminine, ton homme veut te faire une surprise et ça serait éventuellement de t'épouser malgré peut-être des conflits familiaux. J'ai l'impression qu'ils ont été traités en amont, mais c'est une démarche qui stresse cet homme-là. Pour les célibataires, vous avez un amoureux secret qui stresse à l'idée
de venir vous contacter là. Pourtant, on a les clés, la maison, on a des déménagements hein, ici, des solutions concernant un habitat, une maison, un foyer, des papiers, des rentrées d'argent ici. Ouais. Ah, mais c'est cet homme-là, il est coincé dans sa tourmente. Hein. Il s'angoisse énormément pour quelque chose qui est en lien avec une maison et des papiers, quelque chose d'officiel à mettre en place. Pourtant, c'est peut-être un ami aussi hein, qui peut venir te confier ça. Et en fait, je crois que c'est toi qui vas lui amener la solution. Parce qu'il a tellement le nez dans son caca qu'il ne la voit pas, mais pourtant, voilà, ce n'est qu'un moment à passer. Hein. Voilà, voyez les signes ici. Moi, vous allez être guidé. Hein. Il y a une offre pour les amoureux transis cachés. Là, j'ai quelqu'un qui s'arrache les cheveux, qui se ronge les doigts, qui n'ose pas ici, qui ne sait pas comment faire pour faire une invitation, une proposition, alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. C'est guidé. C'est quelqu'un qui vient d'avoir des compréhensions. Voilà, vous aurez un message certainement via le net. Mais c'est quelqu'un qui se sera bien rangé avant de prendre contact avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui sort d'un état mélancolique ici, qui est très méfiant, qui est prudent. Ah, mais on l'a là. Moi, j'ai deux personnes qui s'aiment, qui se le disent pas là. Oh, c'est mignon ça. J'ai deux personnes qui s'aiment, qui se le disent pas. Et qui se désirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une guérison sur le lien de ces deux personnes-là. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui arrive très, très vite ici. Alors, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, il y a des énergies de cycle lunaire. Donc là, on vient de passer la nouvelle lune. Ah. Donc, si ça arrive pas ce week-end, ça arrivera peut-être fin du mois. Pleine lune. Voilà. On va demander un complément d'information à la PD, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, là j'ai des coups de foudre, clairement. On reprend sa liberté, ici on trouve des solutions, on a des clés pour se défaire ici de trucs administratifs concernant des habitats ou du professionnel, ou les deux. On a une très belle évolution. Ici... On a la clé qui ouvre la serrure. Voilà. Et on a la loupe. Donc, on vous dit, regardez, prêtez attention aux détails, prêtez attention aux signes ici. C'est extrêmement positif. On voit ici des nouvelles relations qui seront extrêmement fructueuses et qui élèveront les deux personnes entre elles. Le miel et les abeilles. J'entends la chanson du miel et les abeilles. De la vieille série, là, vraiment, bref. Voilà. Alors, les petits tas de fin. Mais pour tout le monde, nous avons les dos de deck, ici. Nous avons la renaissance. On vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. En dos de deck, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, l'oracle de l'âme te dit « Le sauveur sauvé ». Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même et garde ton énergie. On a l'aide divine ici. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul, ça annonce difficile. Ça, c'est pour les personnes qui ont la tête dans leur caca. N'hésitez pas à aller voir un ami sincère, fidèle, d'aller voir je sais pas, une psy, une thérapeute, hypnothérapeute. Voilà, c'est pour vraiment vous délester de... ce qui ne vous appartient plus, ici, en termes de fardeau. L'oracle d'un petit messager vous dit qu'il n'y a pas de hasard, que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Nous avons l'énergie du phénix encore derrière.
Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel, la persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Le petit message des anges, ici on vous parle de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Impeccable. Comme d'habitude, tu en prends un, deux, trois comme tu vous le voules. Ta numéro 1, la chouette toute seule dans la nuit avec les yeux ouverts. Là. Ta numéro 2, maman chouette, bébé chouette. Ta numéro 3, la famille chouette. Et c'est parti, on commence avec le tas numéro 1. C'est mon chat qui m'a laissé des poils sur le bureau. Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La persévérance avec le chiffre 13. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation. Tu souffleras après. On vous dit l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère les endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Et la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Super message pour le tas numéro 1. On continue avec le tas numéro 2. Et nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et nous avons avec le chiffre 36 l'acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir, un compromis, un sacrifice. Ça ne sera pas de tout repos. Et nous avons le papillon. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Ça résume bien le tirage. Waouh, nous avons le destin là. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh ben dis donc. Et on finit avec la famille chouette. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et la mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Et nous avons le changement. Cette guidance est juste terrible. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Mais écoute, c'est juste sublime. On a un très beau message. C'est super. Voilà, renouveau, soyez dans l'acceptation, les copines ou les copinettes. Merci beaucoup encore pour votre soutien, pour les abonnements, les partages, les likes, tout ça, tout ça. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve bientôt pour les énergies générales de la semaine prochaine. Et là, après, j'enregistrerai l'intemporel surprise. Des bisous les copines.